Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec la critique de Star Wars épisode 9. Alors, c'est une vidéo qui sera avec une toute petite partie sans spoiler et après une partie avec spoiler. Car de toute façon, je pense que je peux absolument pas vous expliquer tout ce que j'ai à vous dire sans spoiler, ça va être trop compliqué. Donc on va essayer de faire une petite partie spoiler, mais on rentrera vite dans le spoil, ne vous inquiétez pas, je préviendrai. Je vous expliquerai juste en fait si ça vaut le coup ou pas d'aller au cinéma pour voir Star Wars épisode 9. L'ascension de Skywalker, The Rise of Skywalker pour nos amis English. Alors, un peu d'histoire. Star Wars épisode 7 est une pâle copie de Star Wars épisode 4. Star Wars épisode 8 a été une prise de risque qui n'a pas payé. Moi j'avais plutôt bien aimé, mais je dois reconnaître que certains n'ont pas du tout aimé. Donc bah, le résultat c'est que c'était certainement pas un bon film. Personnellement j'avais trouvé qu'il y avait eu des parties prises, que ça avait été osé et que ça méritait au moins de faire une suite, car au moins il y avait eu des prises de risque et je le maintiens encore. Voilà, il y avait eu des prises de risque. Elles n'ont pas payé, mais au moins il y a eu des prises de risque après avoir vu un insipide Star Wars épisode 7. Et nous arrivons donc dans Star Wars épisode 9, qui retrouve donc le même réalisateur que Star Wars épisode 7, J.J. Abrams, qui revient et donc qui a la douloureuse tâche d'essayer de satisfaire les personnes qui détestaient Star Wars épisode 8 et ceux qui l'ont aimé également. Et donc, vu que ceux qui l'ont aimé étaient pas nombreux, donc il a surtout satisfait ceux qui n'ont pas aimé. Et donc, il a littéralement récupéré l'intégralité de tous les arcs scénaristiques qui n'avaient pas plu au public et a essayé de modifier l'intégralité des décisions qui ont été prises par Rian Johnson pour satisfaire le public. C'est donc un film absolument destiné au public fan de Star Wars pour qu'il soit content et qu'il soit satisfait. Car il est bien connu que quand nous essayons de satisfaire le public et quand on essaie d'aller dans son sens et de faire ce qu'il veut, eh bien, le public est content. Je suis donc allé à la première séance, mercredi soir, la première séance 3D, et je suis donc allé voir Star Wars épisode 9, dans une salle où les gens donc sont majoritairement, on peut l'imaginer, fans de Star Wars, car ils ont été prêts à faire la queue pendant je ne sais combien de temps avant d'accéder à la salle, avec une salle complètement pleine, donc on peut imaginer que les gens étaient très fans de Star Wars, parce que sinon on y va plutôt le week-end ou la semaine d'après. On se retrouve donc tous ensemble pour un film L'Événement, le dernier Star Wars numéroté. Et nous arrivons donc à cette conclusion. Je vous propose aujourd'hui une critique de Star Wars épisode 9. Star Wars épisode 9 est fait l'exploit d'être le pire Star Wars que j'ai vu de ma vie. Fait l'exploit d'être un film absolument affreux sur tous les domaines. Je me suis ennuyé comme jamais et je ne suis pas le seul. On entendait absolument personne dans la salle. Personne n'a ri. Personne n'a été impressionné, personne n'a été surpris, personne n'a été quoi que ce soit. Le film est absolument tout ce qu'on voulait pas voir, tout ce que je ne souhaitais pas voir en tout cas dans un Star Wars. C'est-à-dire un film qui a voulu faire plaisir aux fans, qui a respecté l'intégralité de toutes les théories et fanfictions que l'on trouve sur internet et qui n'a absolument aucune couille. Ce qui est le cas, il faut l'imaginer, de J.J. Abrams, puisque dans Star Wars épisode 7, il a littéralement pompé Star Wars épisode 4. Et là dans celui-là, il a un peu pompé Star Wars épisode 6, un petit peu. Il a récupéré l'intégralité de ce qu'a fait Rian Johnson et il l'a modifié pour respecter toutes les théories de fanboy qui existent sur internet. Il les a toutes faites, hein, vous pouvez voir, il les a checkées. Il est bien allé faire son travail, il est allé voir toutes les théories qu'il y avait sur internet et il les a checkées les unes derrière les autres en disant ça c'était bien, ah ça c'est bien, c'est une belle théorie, j'ai hâte. Donc si jamais vous voulez qu'une de vos théories se réalise, eh bien vous inquiétez pas, J.J. Abrams va le réaliser pour vous. Le film, c'est simple, c'est un enchaînement de banalités et de scènes absolument pitoyables pendant plus de 2h30. 2h30, pourtant le film n'est pas si long que ça, il m'a paru une éternité. L'intégralité des scènes n'ont aucun enjeu. On a l'impression que c'est véritablement le film le plus pauvre scénaristiquement que j'ai pu voir depuis bien longtemps. Il a essayé de régler l'intégralité des problèmes. Ce qui veut donc dire que, par exemple, Kylo Ren, on l'oublie. On en fait vraiment ce que les gens voulaient depuis le début. Rey est absolument fade et insipide la totalité du film. On a même pire. On a l'intégralité de tout ce qui avait été travaillé par Rian Johnson entre Finn et Rose qui est complètement oublié. On ne s'y fait aucune référence, jamais. Rose va très bien, pas de problème, on ne fait même pas référence, on la remet dans l'histoire, aucun problème. Alors ça s'est terminé sur une situation dramatique à la fin de la saison, à la fin de l'épisode précédent, pardon. Bref, une catastrophe, un accident pour tous ces personnages, bref. Le seul qui a l'air de s'en sortir, c'est Poe, qui est plutôt cohérent avec ce qui avait été fait chez Rian Johnson. Sinon, tous les personnages qui ont été travaillés chez Rian Johnson, on oublie, on efface, on change tout.
On change les origines de Rey, bien entendu, parce que sinon ce n'est pas intéressant, puisque ça n'a pas plu les origines de Rey. Donc on va changer ça pour être sûr que le public accroche. On va bien sûr redonner des origines à Snoke, puisqu'il n'avait pas d'origine. Donc on va créer Snoke, on va refaire une histoire avec Snoke, mais sans vraiment l'impliquer puisqu'il n'est plus présent. Donc on va passer vite, on ramène un méchant parce que ça va faire plaisir aux gens, Palpatine, qui est littéralement insipide, qui nous refait exactement les mêmes speeches que ce qu'il n'avait fait dans l'épisode 6. Donc on a l'impression d'avoir à nouveau la même bataille, les mêmes histoires, les mêmes dialogues. Non mais quand je vous dis que c'est quelqu'un qui, je pense, vraiment n'a aucune imagination et aucune idée dans cet univers Star Wars, car il a tout pompé du 4, bah là il pompe tout du 6. Il y a même la, fameuse scène où vous avez Luke qui regarde la bataille spatiale, et bah on a exactement la même scène dans ce Star Wars. C'est un Star Wars qui manque clairement de couilles, c'est un Star Wars qui manque d'envie, c'est un Star Wars qui a été fait, ça le sent, on le sent, hein. Un Star Wars qui a été fait parce qu'il fallait le faire, parce que il a été payé J.J. Abrams pour faire un Star Wars. On lui a dit, tu nous dois un Star Wars, tu fais un Star Wars. Et il a dit, je fais un Star Wars. C'est tout. Je pense qu'il a aucune envie d'aller le défendre, celui-là. On peut reprocher plein de choses à Rian Johnson, mais Rian Johnson, il a fait des choix, et il les a défendus, ces choix. On s'en a pas plu, mais il les a défendus. Là, J.J. Abrams, je sais pas quel choix il peut véritablement défendre. D'ailleurs, on l'entend pas depuis que la promo a commencé, on n'entend aucun acteur, on n'entend personne. Parce que je pense que tout le monde se rend bien compte que là, ils ont essayé de faire du bricolage et de faire plaisir aux fans. Depuis quand faire plaisir aux fans, c'est une solution? Ça ne marche pas. Et là, on a enchaîné les scènes les plus... Franchement, c'est le scénario le plus bête qu'on peut avoir. Trouve objet qui ressemble à une carte pour mener à un endroit, et quand t'arrives à cet endroit, grosse bataille finale, point. Le film, c'est ça. C'est ça, le film. Et où est l'enjeu? Où est le drame? Où est l'événement dramatique qui doit conclure une série? Alors, certains pourraient me dire, cette saga, il y a quand même des événements marquants, on en parlera dans la partie spoil, effectivement, il y a des événements marquants, mais c'est pas du tout marquant, c'est pas du tout épique, il n'y a pas de souffle épique. Quelle est la scène qui vous revient quand vous pensez à ce film? Ils ont même réussi à gâcher les scènes qui étaient bien dans la bande-annonce, qui avaient l'air épique. Je pense en particulier à Rey qui fait un salto. Purée, quand on voit la scène, oh, c'est 10 secondes en réalité. La scène n'est absolument pas épique. Je parle aussi de la bataille spatiale qui est hachée dans tous les sens et qui alors est assez inintéressante au final. Qui est même coupé dans son rythme au milieu et relancé, enfin, c'est horrible. Finn fait prestation correcte, mais sans plus. J'ai détesté, j'ai passé un effroyable moment. J'avais au moins vibré devant Star Wars épisode 8, là, je n'ai absolument pas vibré. Et les personnes qui étaient à côté, j'avais bien vu, personne ne vibrait. Tout le monde était là, moi j'arrêtais pas, mais franchement de faire... C'est pas possible, ça m'a paru une éternité. Le seul point positif, c'est qu'il y a un très bon combat de sabre laser. Ça, c'est le point positif que je retiens. Sinon, c'était absolument pitoyable. Voilà. Et j'ai payé pour ça. Je suis déplacé, j'ai pris ma voiture, je suis allé au cinéma pour voir ça. Pour voir un film qui... Déjà, la vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avoir fait une nouvelle trilogie? Pour raconter ça? En quoi cette fin, par exemple, est un aboutissement? Et alors, je vous dis pas la phrase de fin de Rey. Oh, oh mon Dieu. Ah là là. Ça fait très très mal. Hein. Ah, la scène de fin de Rey, ça, elle fait très 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 mal. Ah là là, qu'est-ce que c'était... Oh, c'était nul. Ah, c'était nul. Enfin, bref. Voilà, je pense que je peux pas rentrer... je peux pas faire une vidéo moins sans spoil. Donc, on va passer dans le spoil. Donc, si vous n'avez pas vu l'épisode, enfin, le film, allez-vous-en. Et revenez quand vous l'aurez vu. Enfin, je vous conseille pas d'aller le voir. Hein. Franchement, c'est de l'argent perdu. Hein. C'est de l'argent perdu. Donc, voilà. Donc, si vous l'avez vu, vous pouvez rester. Si vous l'avez pas vu, bah, allez-vous-en et revenez plus tard. Partie spoil? Bah, partie spoil. Partie spoil, bah, on fait par ordre chronologique ou on fait par personnage? Je sais pas. Alors, d'ailleurs, j'ai prévu de vous faire une vidéo humoristique sur comment J.J. Abrams a essayé d'écrire Star Wars. Vous allez voir? C'est absolument, mais il y a se pisser dessus, tellement c'est drôle. Je me faisais rire moi-même en écrivant mes vannes, donc il faut absolument que je vous le fasse. Donc ça, je vais le faire. Je suis en train d'écrire, ça, je veux absolument que je vous le fasse. Donc ça arrivera sur la chaîne dans quelques jours. On commence par quoi? Le scénario? Alors, donc le scénario repose sur un MacGuffin, donc c'est il faut trouver un objet qui permet de mener à l'endroit où se trouve Palpatine. D'ailleurs, oh, un, le nom du film, ça commence, le nom du film. Bon, bah, le nom du film n'a strictement aucun sens, hein, faut pas se mentir, hein. L'ascension de Skywalker. Et alors, vu que le nom n'a aucun sens, la phrase de fin, quand Rey dit, elle peut pas dire qu'elle s'appelle Rey Palpatine, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Rey Skywalker. Et donc là, tu comprends, tu fais, ah, c'est l'ascension de Skywalker. Quelle honte.
Quelle honte. Oh, c'est ça le nom du film? C'est ça l'histoire que vous vouliez raconter? C'est pour ça que vous nous avez fait 3 films de plus? C'est pour ça que vous avez voulu rajouter des épisodes? En plus, au final, on peut très bien imaginer que le premier ordre n'est absolument pas détruit, hein. On est dans la même situation qu'après l'épisode 6. Donc, en quoi la galaxie est plus en paix après l'épisode 9 qu'après l'épisode 6? On s'est débarrassé une deuxième fois de l'Empereur. Waouh, génial, génial. Ça valait le coup d'écrire une nouvelle trilogie pour raconter une deuxième défaite de l'Empereur, qui perd en moins d'un quart d'heure. En un quart d'heure. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, ils peuvent être fiers d'eux, hein. Ça valait le coup de dépenser des millions de dollars, des centaines de millions de dollars, de faire déplacer les gens, de raconter une histoire, de faire venir un scénario, des scénaristes, des tas de gens, pour raconter la deuxième défaite de Palpatine. C'était utile, faut le dire. C'était vraiment utile. Et c'était utile surtout de faire un épisode 8 dans lequel Kylo Ren est censé devenir le grand méchant de l'histoire et enfin prendre les rênes et se retrouver et que Kylo Ren devient gentil. On pensait que pourtant c'était réglé cette histoire. Avec Star Wars épisode 8, normalement, avec Star Wars épisode 8, Kylo Ren devait devenir le grand méchant. Justement, on s'était débarrassé de Snoke. Ça permettait que Kylo Ren, ça se termine enfin avec un Kylo Ren méchant. Eh bien non. Kylo Ren devient gentil. C'est une honte. C'est une honte. Là, vraiment, c'est jeter Star Wars épisode 8 à la poubelle. Alors, vous allez être très contents, les gens qui n'aiment pas Star Wars épisode 8. Par contre, la saga Star Wars, ça devient de la daube. Ça devient de la merde. De la merde. Voilà. Je l'ai dit. Parce que ça veut dire que là, on ne respecte pas ce qu'on appelle une saga. C'est-à-dire, l'intégralité des épisodes d'une saga doit être logique et cohérent. Il y a également le fait que Rey n'avait pas d'origine. Bon. Très bien. On peut estimer, donc, ils ont menti. Et donc, Rey peut bien être la fille de Palpatine. D'ailleurs, quand elle a commencé à se servir de pouvoir de ses éclairs, j'ai tout de suite su, moi, qu'elle allait devenir le Palpatine. Qu'elle était Palpatine. Tout de suite. J'ai tout de suite dit, oh, mais quelle horreur. Pourquoi est-ce qu'il fallait absolument qu'elle soit une Palpatine? Pourquoi? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était nécessaire. Mais je pense que c'est que vu qu'ils avaient ramené Palpatine, il fallait un lien pour que ça soit logique qu'on ramène Palpatine. Donc, bah, on va la mettre en Palpatine. C'est très bien. Franchement, c'était pitoyable. C'était pitoyable. Je suis revenu un petit peu sur Finn et Rose, mais ça, on l'oublie. Poe, vu que Leia meurt très rapidement dans le film et puis en gros ils se sont débrouillés mais voilà bon, il a fait là bon là on peut pas trop lui en vouloir vu qu'elle était vraiment décédée donc là il a fait un peu ce qu'il pouvait J.J. Abrams parce que là Rian Johnson quand même il a pas été sympa il a fait ce qu'il pouvait avec Leia bon voilà après c'est vrai qu'on n'a pas eu ce moment d'émotion qu'on aurait aimé avoir avec la mort de Leia. Je pense que moi quand elle est morte quoi. Je pense qu'il devait y avoir un moment épique là, on devait avoir un souffle épique, un souffle d'émotion. J'ai rien. Ah rien. Moi personnellement, quand elle disparaît quoi. Kylo Ren, là, on est bien d'accord que ce qui le ramène du bon côté, c'est l'intervention de Leia, on peut supposer, et la non intervention de Rey qui permet de le soigner, sans y revenir. Donc c'est pas mal, c'est bien, c'est intéressant. Non, je crois pas. Je crois pas. Et surtout, bah, ça veut dire que Han Solo n'a absolument pas réussi à ramener Kylo Ren dans le bon chemin. Mais une inconnue comme Rey, qui n'a aucun lien familial précis, il suffit qu'elle ait une petite discussion avec Kylo Ren et il devient gentil. Voilà. Très bien. Donc, ce personnage est définitivement le personnage le moins bien écrit de Star Wars. En règle générale. C'est vraiment une catastrophe. Il fallait qu'il reste méchant. Avec Star Wars épisode 8, il n'y avait pas le choix. Et ben, J.J. Abrams, il pouvait pas. Ça, à mon avis, ça lui arrachait la main de le mettre en méchant. Il pouvait pas. D'ailleurs, il aime tellement pas sa gueule qu'il est obligé de lui remettre le masque pendant la moitié du film. Et puis après, ben, il lui réenlève le masque. Non mais ça, enfin, franchement, faut arrêter le masque. Soit vous le mettez, soit vous le mettez pas, mais faut faire un choix. Faut faire un choix à un moment donné. Soit vous aimez pas sa gueule, soit vous aimez sa gueule. Mais à un moment donné, acceptez qu'il ait une gueule. Donc si vous lui enlevez le casque, vous l'enlevez. Si vous le remettez jusqu'à la fin. Vous arrêtez de l'enlever, de le remettre, de l'enlever, de le remettre. Il y a un moment donné, ça devient même méprisant pour l'acteur. Ok, il est peut-être pas l'acteur le plus beau qui existe à Hollywood, effectivement. Effectivement. Il a peut-être pas une gueule, bonne gueule de méchant. Et ben, fallait pas le caster. Et désolé, J.J. Abrams, c'est toi qui l'as casté, mon pote. Eh ben, désolé. Donc, à un moment donné, peut-être que le casting n'allait pas. Faut se poser les bonnes questions, J.J. Donc, J.J., c'est bien beau de mettre toute la responsabilité sur Rian Johnson, mais je pense que t'as fait un travail particulièrement minable aussi, hein. Vraiment, hein. T'as pompé tout Star Wars épisode 4, et maintenant tu nous fais un film absolument insipide et minable. Ça valait le coup de chier sur Rian Johnson pendant tout le temps.
Ah mais j'ai hâte de voir les reviews des fans, des profanes de Star Wars, vous savez, des gens qui adorent Star Wars et qui avec une seule hâte, c'est que J.J. Abrams revienne sur le film parce que Star Wars épisode 7 c'était tellement bien. Ah bah j'ai hâte de les entendre hein, parce que alors eux, si jamais ils nous disent ça, mais bravo hein, bravo, parce que si ça vous a plu, mais tant mieux hein. Tant mieux. Après, je suppose que les gens vont être contents. Parce que, bah oui, il y a la théorie de Rey qui est la fille de Palpatine, bah on l'avait. Hein, ça c'est génial, super, génial, nickel. Ah là là, qu'est-ce qu'ils doivent être contents, les gens, ils ont dû ouvrir le champagne. Snoke, bah c'est un clone de Palpatine, enfin créé par Palpatine. Ah génial, ah là là, super. Ah bah, J.J. Abrams, il est allé sur toutes les fanfictions sur Internet et il a récupéré l'intégralité de toutes les grosses théories du moment. Il a tout fait. Ah, il s'est dit, ah bah je veux pas décevoir, donc ça, on le fait. Allez, on le fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme théorie? Ah bah, il faut que on... Bah j'ai plus de vieux, j'ai plus Han Solo, j'ai plus Leia, j'ai plus Luke. Bah qu'est-ce que je peux faire? Bah je vais chercher Lando. Hop, un vieux, ils seront contents, il y a un vieux. Bah ils seront contents. Il me faut un vieux. Je tease un petit spin-off. Allez, je tease un petit spin-off avec Lando au milieu. Allez, un petit spin-off. Allez, je le tease. On fait un petit clin d'œil. Bien appuyé. Ok. Ah oui, Rian Johnson, il avait niqué ma scène avec le sabre. Bon bah on va la refaire parce que moi je l'aimais bien ma scène du sabre. Je l'aimais bien. Je voulais pas qu'il le jette par terre. Moi ça me plaisait pas moi. Non, Rian Johnson, t'as fait une connerie là. Donc attendez, on récupère. Donc on refait. On retourne. D'accord, on retourne. La scène n'a pas eu lieu. Vous savez, c'est comme les Jedi. La scène n'a pas eu lieu. Ça n'est jamais arrivé. On ne jette pas de sabre. Alors, je te prends le sabre, tu donnes le sabre. Je vais jeter le sabre au feu. Non ! Et là, Luke arrive, il fait « On ne jette pas un sabre. » Très bien. Sauf que tu l'as fait il y a moins d'un épisode, abruti. Merci. Enfin bon. Non mais franchement, si vous cherchez de la cohérence dans la saga, là, moi personnellement, waouh quoi. Et si vous avez aimé, mais tant mieux, hein, tant mieux. Mais pour moi, ça veut dire que vous avez aucun respect pour la saga Star Wars. Parce qu'avoir du respect pour la saga Star Wars, c'est avoir du respect pour les personnes qui ont travaillé avant vous et qui ont travaillé après vous. Certains pourraient me dire que Rian Johnson n'a eu aucun respect pour le travail de J.J. Abrams. Non, c'est pas vrai. Il a juste essayé d'éviter qu'on arrive à un Star Wars épisode 9 dans lequel on est à nouveau un empereur. Et dans lequel on avait à nouveau la même situation, c'est-à-dire un apprenti qui va se rebeller contre son maître, etc., etc. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, rien. J.J. Abrams, eh ben, il a décidé de le faire quand même. Donc, il a remis un maître, il a refait le twist, c'est-à-dire quelqu'un qui se retourne et qui était du côté obscur et qui se tourne contre dans le côté lumineux. Vu qu'il a vu que Rian Johnson s'était un peu amusé avec la Force, bah, il s'amuse lui aussi. Il a dit, bah, pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Donc, il y avait eu le Skype. Bah, maintenant, avec le Skype, on peut même interagir avec la personne et littéralement lui prendre des objets sur lui, à des planètes d'écart. Alors pourquoi les Jedi, quand ils étaient dans la prélogie, avaient besoin de petits communicateurs portatifs pour pouvoir discuter? Ça sert à rien. Les mecs, ils peuvent discuter à des années-lumière d'écart. Ils peuvent même se prendre des objets. Enfin, je veux dire, quand vous êtes en prison, quand vous êtes emprisonné, et moi j'arrive, je discute avec Yoda, je lui dis, il me faut un sabre, mon pote, tu peux me prêter ton sabre? Hop, je récupère le sabre, et puis je me bats. Pas de problème. Vu que c'est possible. Pourquoi ils l'ont pas fait avant, quoi? Non mais franchement... La quelle cohérence, c'est magnifique la cohérence. Ah, qu'est-ce que c'est bien la cohérence. Ah là là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, je parle de l'étoile noire ou pas? Ah bah si jamais J.J. Abrams il a bien regardé le 6, comme je vous l'ai dit, il fallait un quelqu'un qui se retourne, voilà, qui passe du côté obscur au côté lumineux. Donc vu qu'il avait plus de méchant, bah Kylo Ren, bah, il le fait devenir gentil, donc il fallait l'empereur pour être un méchant, parce qu'il avait plus de méchant. Et puis bah il avait le général Nox, vous savez, le général Nox qui était devenu un personnage comique. Bah, il peut plus être le grand méchant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je fais créer un autre général. Bah, je peux plus le récupérer. Rian Johnson l'a tout détruit. Bon, bah, je recrée un général. Donc, on va prendre un vieux, bien, avec une tête de méchant. Et bah, qu'est-ce que j'en fais du Nox? Bah, vu que c'est quelqu'un de drôle, bah, je suppose que ça va être un gentil. Ah oui, c'est un gentil. Il est drôle. Donc, c'est un gentil. C'est Disney. C'est un gentil. Il est drôle, c'est un gentil. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il devient gentil. Bah, oui, c'est logique. Non, mais vraiment, mais quand il a dû l'écrire, ça paraît tellement logique. Bah, donc, Gigi, donc Nox est devenu gentil. Ah, terminé, voilà. Et puis, hop, gentil. Et puis, on le bute, parce qu'en plus, les gens peuvent pas le blairer, donc on le bute. Parce qu'il faut, il faut le tuer, hein, parce que là, les gens peuvent pas l'aiment tellement pas que je pense qu'ils seront contents. Ils seront contents. Oui, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est que ce personnage ne servait à rien, donc, de toute façon. Donc, vous savez pas quoi en foutre de ce personnage. De toute façon, tous les méchants ont été mal castés. Hein. Alan River, au final, malheureusement, ça n'a pas marché. Notre ami Nox, ça n'a pas marché. Enfin, tout le monde, personne ne marche, quoi. Tous les méchants ont été... Ils ont été obligés de ramener des vieux méchants ou d'en créer des nouveaux, tellement ça marchait pas. Magnifique. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, s'il a bien fait ses devoirs, Gigi. Bah, Gigi, il regarde le 6. Ah oui, vu qu'il pompe, il fait pomper. Donc, il a besoin. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ah, bah, moi, j'ai une scène dans le 6 dans lequel il y a un monstre qui a deux doigts de manger un Jedi. Ou en tout cas, de manger une équipe. Bon bah nous on va refaire la même scène, on va mettre un énorme ver géant et sauf que ben j'ai bien aimé parce que Rian Johnson il avait commencé à teaser un côté on aime les animaux hein, bah
Je vais faire pareil, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'on puisse soigner des animaux. Donc on aime les animaux moi aussi. Allez, je vais faire une scène avec un animal, il va être à deux doigts de bouffer quelqu'un, puis on va le soigner et il va devenir l'ami des animaux. Génial, c'est sympa. Ah ça, c'est sympa. Et puis ben l'étoile noire, bah oui mais je peux plus refaire une étoile noire, hein. J'ai déjà fait dans le set, ils vont peut-être le voir que je pompe quand même. Hein. Bon bah qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Bah je sais pas moi. Et si on mettait, parce que l'important c'est pas l'étoile noire, c'est le fait qu'il y a des trucs qui détruisent les planètes. Bah on a qu'à le mettre sur un vaisseau. Bah oui. Attendez, combien on a de budget les amis? Ah bah on a beaucoup de budget, on a 300, 400 millions de budget. Ah bah super. Bon bah on va pas faire une étoile noire, donc on va faire plein de vaisseaux. On va faire une cinquantaine de vaisseaux. Allez, pourquoi pas. Et ils ont tous l'étoile noire. L'arme de l'étoile noire à l'intérieur. Pourquoi pas? Pourquoi ils se sont fait chier à créer une étoile noire, quoi, franchement? Ils sont tellement doués maintenant. Ils peuvent le mettre dans un vaisseau, bah franchement. Pourquoi ils se sont fait chier à créer la base Starkiller dans le set? Ça servait à rien. Vous allez pas me dire que l'empereur, il a créé son arme là pendant les 3 ou 4 années, hein, et qu'il a équipé l'intégralité des vaisseaux avec ça. Non, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, hein. Enfin bref, c'était nul, c'était pitoyable. Voilà, enfin. C'est pourri. Donc, bah voilà, J.J. Abrams, encore une fois, il n'a pas d'étoile noire, et bah il se crée son étoile noire. Il se fait pas chier. Et juste que il avait pas envie de faire une forme sphérique, donc il l'a mis dans un vaisseau. Et pas de problème. Et au lieu là que, pour détruire le truc, il faut détruire un petit machin avec un tir précis, bah. On fait une sorte d'assaut sur le vaisseau, une sorte de mission un peu voilà dans lequel il faut rentrer dans une petite trappe, la faire exploser, la machin, enfin oui pourquoi pas hein, ça ressemble énormément à Star Wars épisode 6, énormément hein, on est pas loin. Il y a même le faucon qui vient sauver tout le monde à la fin, enfin tout va bien. Il a même récupéré le fait que le faucon il arrive en deuxième, comme dans le 4 où il arrive en deuxième partie, vous savez d'abord il y a une partie, ensuite bah il y a quelqu'un qui se fait, ils sont plus ou moins en train de perdre, et il y a le faucon qui arrive à la fin pour sauver tout le monde, et bah il y a un petit peu cette idée là qu'il a récupéré. C'est pas mal. Et puis la happy end, et puis la fin, et puis bon bah je vais revenir sur Rey à la fin, mais ça c'était génial. J'ai parlé beaucoup de Skype, d'accord, du truc, ils peuvent discuter, mais maintenant ils peuvent soigner des gens, pourquoi pas. Ils peuvent aussi ressusciter des gens. Oui parce que Rey quand elle a les yeux bien bien ouverts, hein, là elle est quand même bien morte, hein, elle est quand même bien bien morte. Hein. Et maintenant ils peuvent ressusciter des gens. Ah bah ils peuvent ressusciter, pourquoi pas, à ce niveau là. Ressusciter des gens. Pas de problème. Donc Rey ressuscite Kylo Ren. Et Kylo Ren ressuscite. Kylo Ren ressusciterait. Et Kylo Ren en ressuscitant Rey meurt. D'accord, très bien. C'est sympathique. C'est sympa. Je reviens pas sur les déplacements d'objets, tout ça, là, hein, qui n'a strictement. Enfin, c'était pas possible normalement en réalité, mais bon, on va bien, hein, parce que maintenant on a plus strictement rien à foutre, donc on le fait. Moi ça m'a décroché du film, hein, ça a été à moins de 20 minutes, on était à une demi-heure de film, dans lequel Kylo Ren attrape le collier, comme ça il dit ah, je sais où tu es. Putain, quelle horreur. Qu'est-ce que je pourrais vous citer d'autre? Bon, Lando il fait un bon retour, hein, il est sympathique, mais pas très utilisé. BB-8 c'est toujours assez sympa. C3PO par contre beaucoup mieux que dans les autres films. J'ai trouvé assez cool, plutôt assez marrant, même si moi toutes les vannes qu'il a faites elles ont bidé dans le cinéma, personne n'a ri. Mais au moins il était assez respecté, parce que R2-D2 lui par contre il est plus respecté depuis le début, quoi. Vraiment c'est un personnage dans lequel ils ont plus du tout misé dans cette nouvelle trilogie, ils ont misé que sur BB-8, donc c'est un peu dommage. Mais bon, il a eu toute la prélo pour se révéler, R2-D2, donc effectivement c'est peut-être le moment de miser sur un autre droïde. Mais c'est vrai qu'R2 c'est le gros échec pour moi de cette trilogie, cette nouvelle trilogie, parce que bah, c'est une catastrophe, quoi. La mort de Leia ils l'ont mal géré, mais ça c'est franchement ils pouvaient pas faire mieux, donc j'ai pas lui tenir rigueur, j'ai pas lui jeter la pierre, parce que franchement il a fait ce qu'il pouvait, donc là c'est le seul point dans lequel je vais rien dire. Par contre, comme je l'ai dit en point très positif, le combat au sabre laser de Rey et Kylo Ren, quand ils sont sur le sort de partie sur l'eau, là, franchement, elle était sublime. Moi, j'ai adoré. Je trouve ça super bien, c'est un super combat au sabre laser. Ça, on le dit assez, mais la prélogie, elle avait fait un super combat au sabre laser, et ben au moins cette trilogie-là, elle aura au moins un bon combat au sabre laser, et ça, c'est bien. Il y a un petit retour de Luke en fantôme, on check. On fait une petite présence de tous les Jedi pour faire une sorte de conclusion. Donc on met une petite voix de Mace Windu, la petite voix d'Obi-Wan, la voix de... voilà. Ok, pas de problème. On clôture un petit peu tout. Même si par contre la situation est pas beaucoup mieux que ce qu'elle était dans l'épisode 6, parce que ils ont à nouveau détruit toute la flotte de l'Empire, mais et donc là qui est le dernier ordre. D'ailleurs, j'arrêtais pas de me demander dans le film pourquoi ils l'ont pas appelé le film The Last Order, parce que ça aurait été bien, ça aurait de l'appeler comme ça, parce que c'est exactement tout ce qu'il répète dans le film, The Last Order. Ou alors, moi j'aurais adoré qu'il appelle The Last Hope, le dernier espoir.
il y avait A New Hope, et j'aurais aimé qu'il l'appelle A Last Hope, un dernier espoir. J'aurais trouvé ça beaucoup plus logique. Là, quand t'as l'ascension de Skywalker, bah, en fait, à la fin, il n'y a plus de Skywalker. C'est-à-dire que là, Gigi, il s'est dit, putain, mais j'ai plus de Skywalker, qu'est-ce que je fais? Allez, Rey, tu vas dire que t'es de Skywalker. Ah, parce que tu peux pas dire que t'es de Palpatine. Parce que vu que je l'ai fait ça pour faire plaisir aux fans, pour respecter les théories à la con, eh ben, maintenant, ça aurait été plus sympa qu'elle soit Qui-Gon, en fait, hein, parce que ça aurait été plus logique par rapport au récit, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va dire que t'es la fille de Palpatine. Bon, bah, sauf qu'à la fin, tu dis pas que t'es la fille de Palpatine, c'est pas possible. On va terminer sur une Palpatine au sommet, c'est pas possible. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je te propose, on s'arrange, on fait un truc, tu t'appelles Skywalker. Allez, tu dis que t'appelles Skywalker. Et on terminera là-dessus en plus. Fond noir, on termine, au revoir. Allez hop. Et comme ça, je me casse. Et récupère mon chèque au passage parce que j'en ai bien assez chié. Récupère mon chèque et je m'en vais. Voilà. Je pense que j'ai toujours tout dit. Après, voilà, bon, comme je vous l'ai dit, il cherche un objet, donc il cherche un petit couteau. Pourquoi pas. Il trouve le couteau, sur dessus, il y a une information. Ils n'arrivent pas à la décrypter, il faut la décrypter. Ils amènent ces 3PO quelque part. Qui était plutôt un arc scénaristique, je trouve assez intéressant. C'est peut-être le passage du film qui était le plus sympa, je trouve. À part le passage donc avec Kylo Ren qui justement attrape le enfin voilà, ça c'était après hein, mais c'était l'enfer. Mais je pense que cette partie-là, c'est peut-être la partie que j'ai trouvé le moins incohérent avec la saga Star Wars, parce que c'était plutôt logique et plutôt intéressant. J'ai bien aimé qu'on voit le Premier Ordre vraiment vraiment chercher et être cruel, méchant, etc. Les chevaliers de Ren, c'est des tocards, hein, faut le dire hein, on nous a teasé les chevaliers de Ren. Les chevaliers de Ren, ils sont pitoyables, les chevaliers de Ren. Ils sont éliminés à un bras avec Kylo Ren. Kylo Ren, il arrive tout seul le mec. Ils sont 5 contre lui tout seul. Rien à foutre. Voilà. Je vais arrêter de déverser toute ma haine, hein, parce que là, voilà. Mais c'est pitoyable. Voilà. Donc les fans de Star Wars, ben, je vous attends en commentaire pour me dire que c'est mieux que Star Wars épisode 8. Voilà, je vous attends en commentaire, est-ce que c'est mieux. Après, il y en a qui vont me dire, mais vu que Star Wars épisode 8 était tellement mauvais, c'était impossible de faire mieux. Non, je suis désolé, on n'avait pas besoin de l'empereur. Il fallait miser sur Kylo Ren qui était le grand méchant de l'histoire. C'est que ça qu'il fallait faire. Parce que Star Wars épisode 8 avait au moins le mérite de vraiment montrer que Adam Driver en Kylo Ren, c'était le grand méchant de l'histoire. C'est ce qu'on attendait de lui, c'est ce qu'on voulait de lui. Ça dure combien de temps? Ça dure 3 minutes dans l'épisode. Il commence, il est hyper, il est vraiment méchant, il cherche Palpatine pour le tuer. Alors ça, comme dirait le chef Otaku, hein, c'est un méchant qui bute d'autres méchants. Donc ça, ça c'est de la dark attitude, hein. Il parle de ça en Sasuke, quand il avait fait sa review sur le Kanaruto. C'est vrai que là, bah, c'est exactement pareil, quoi. Le mec, il tue des méchants. Donc c'est bien, hein, c'est bien, ça, c'est un sacré méchant, quoi. Alors pourtant au début, quand même, il tue Han Solo. Donc quand même, ça le crédibilise bien comme méchant. Là, il nous fait disparaître Luke. Donc quand même, on devrait le détester, quoi. Et bah, ils ont pas misé dessus. T'as l'impression qu'ils veulent le cacher. Ils lui mettent un masque, ils l'enlèvent, ils le remettent. T'as l'impression vraiment qu'ils acceptent pas ce personnage comme le méchant de l'histoire. Ça, donc il a été mal casté. Donc ils ont mal fait leur travail. Donc cette saga est une catastrophe. Et là, ce dernier opus enterre la saga Star Wars définitivement. Et y a rien à sauver. Voilà, y a rien à sauver. Moi, j'aimais bien Star Wars épisode 8 parce que je trouve qu'il y avait des intentions. De faire en sorte que le héros soit pas un Skywalker, mais que justement ce soit quelqu'un qui parte de rien, qui était effectivement un peu trop doué pour qu'elle parte de rien, ça je veux bien le reconnaître, mais je trouve que l'idée derrière était vachement bien. L'idée de se dire que tout le monde peut devenir Jedi. Obi-Wan, on connaît pas ses origines. Est-ce qu'Obi-Wan, il vient d'une lignée de Jedi depuis 175 ans? Peut-être pas, il a été formé, on le voit bien, avec Qui-Gon, il a été formé à devenir un Jedi. Pourquoi les autres ne peuvent pas être formés à devenir des Jedi? Bah, voilà, t'as pas besoin d'avoir dans ton sang du sang de Skywalker pour être un bon Jedi. Yoda, il est devenu Jedi. Qui-Gon, il est devenu Jedi. Obi-Wan, il est devenu Jedi. Pourquoi on a besoin tout le temps que ça soit un Skywalker? C'est pénible, là, c'est la fin. Et ben là, ils ont fait le choix que ça soit une Palpatine. Mais est-ce qu'on a besoin toujours que quelqu'un ait une origine particulière? Alors, ils vont me dire, ils ont tellement insisté sur ses origines, mais justement, c'était un bon contre-pied, je trouvais. Je trouvais que c'était un bon contre-pied. Et ben là, pour faire plaisir, je suppose, ben il est reparti là-dedans. Mais c'est sympathique. C'est sympathique. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Bah, je trouve que ça refait, comme je vous l'ai dit, il a refait exactement Star Wars épisode 6. Donc ça pose la question de, est-ce que c'était utile de faire une nouvelle trilogie? Bah non. Et c'était de la daube. Et c'était nul. Voilà. Et donc, je me suis fait chier. En 2h25, je crois, le film dure pour voir ça. Et franchement, le film spin-off là sur Lando et la fille là, oh là, je veux pas aller voir ça. Moi. Oh non, c'est bon quoi. Bon, c'est bon quoi. Elle était sympathique, hein. C'est vrai qu'elle était sympathique. D'ailleurs, à la fin, je m'attendais à que Finn et Rose, il se passe un truc. Bah non. On s'attend aussi à que Finn et Rey, il se passe potentiellement un truc, parce que Finn, pendant tout le film, il te dit, je vais devoir te dire un truc. Fin de film, il a toujours pas dit.
Non mais enfin, voilà. On va s'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, bah vous la likez, vous la partagez, vous vous abonnez, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà quoi, c'était pitoyable. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, ce que vous pensez. Si vous voulez m'insulter parce que j'ai aimé Star Wars épisode 8, bah insultez-moi, allez-y, faites-vous plaisir. Parce que franchement, là, Star Wars épisode 8 était mieux que Star Wars épisode 9. Mais il n'y a aucun problème. J'avais eu mon frisson épique dans Star Wars épisode 8. Là, je me suis fait chier. Voilà. C'est le pire Star Wars, pour moi. Peut-être avec le deuxième, parce que le deuxième était vraiment pas bon, l'attaque des clones. Parce que justement, il n'y avait pas assez d'épique. Mais au moins, il y avait le combat de fin avec notre ami le comte Dooku, qui était vraiment sympa, moi, je trouve. Et puis le combat dans l'arène était plutôt stylé. Là, on n'a même pas ça. Ah, par contre, dernier point positif. Parce que j'ai beaucoup mis dans la claque de J.J. Abrams, le film est beau. Il y a des beaux décors, et le film est beau. Par contre, un peu sombre. Un petit peu sombre. Alors, est-ce que c'est la qualité de mon écran qui fait qu'il est un peu sombre? J'en sais rien. Pourtant, je pense que j'avais plutôt un bon écran. Je le vois en 3D. Est-ce que la 3D l'assombrit pas un petit peu? C'est une question. Et je trouve qu'il était un petit peu sombre. Alors, c'est pas grave. On voyait quand même relativement bien. Mais je pense que, voilà, ça aurait pu être un tout petit peu plus éclairé sur certains plans en particulier. Mais voilà, je trouve qu'il a fait un bon travail de la mise en scène, de la façon dont il nous a montré les choses. Ça, par contre, je peux pas dire que c'est pas bien. C'est juste que toutes les jolies scènes qu'il a fait, bah, il a enlevé toutes les piques qu'il y avait dedans. Voilà. Donc c'est un peu dommage et... Bah voilà, désolé. Voilà, donc la vidéo vous a plu, la likez, vous abonnez, vous partagez. Et puis on se retrouve, vous pouvez aller dans le YouTube qui est dans la description si vous voulez me soutenir. Et faire en sorte que je me remette de cette horreur. Et quant à nous, on se retrouve demain parce que c'est toujours le calendrier de l'Avent. Donc on se retrouve demain pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Et quant à nous, bah voilà, on se retrouve demain. Et n'allez pas voir Star Wars, mais si vous êtes dans la partie spoil, vous avez vu Star Wars, donc... Bah, j'espère que votre perte d'argent, vous la regrettez pas trop. Allez !